Là, comment rendre ça blanc alors que ça a jauni avec le temps? Il faut savoir que Mickaël, on est dans une cuisine ouverte, donc ça peut être aussi de la saleté. D'abord, on lessive, comme pour tout. Donc là, je vais me taper tout ça à lessiver. Et ensuite, je vous fais voir comment on fait. Pour ceux qui pensent que c'est du luxe, ça ne l'est pas. Là, j'ai pas nettoyé ce côté, mais j'ai nettoyé ce côté, je me suis arrêté là au milieu. Là, comme on va faire quelque chose de propre sur ces coffrets, on va les repeindre. On va donc bien dégraisser tout ça. Moi, j'utilise un dégraissant pour le four, je crois. ça dégraisse bien. Kill it bang. C'est un peu comme Big Bang, mais en cheat. Nombreuses surfaces. Oh, ça, c'est un produit à base de Javel. C'est un produit qui pue la Javel. Ah merde, putain, je m'en fous sur la tête. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Ça sera nickel pour être peint. On va passer un petit coup de ponçage, mais alors léger, hein, ça sert à rien non plus. Au mieux passer un petit coup de ponçage parce que c'est sur une satinée qu'on va peindre. Brillante même, je crois. Tu vois, c'est quand même sale. Comme c'était quand même sale, je passe un coup de chiffon sec pour sécher la surface. Mis à part le coup de ponçage, c'est prêt à poncer. Ah, à peindre. Le but en fait, c'est de bloquer le fond, on est d'accord, là c'est jaune. Si je passe, je veux le faire en blanc. Si je passe une peinture normale acrylique, si je n'ai pas une peinture isolante, ça risque de ressortir à chaque couche. Donc la première couche, bah, je fais comme si c'était une impression. Et j'utilise la matisole de chez HB, que j'ai déjà utilisé sur des plafonds et qui isole effectivement très bien. Tu vois, sur une couche déjà, ça couvre nickel. On va le faire en jusqu'à peu près la moitié ici. Là, je le fais dans ce sens-là. Ça permet d'avoir vraiment la peinture bien partout. Forcément là, prends une claque quand tu rentres, que tu vois ça. Là au moins on part sur un support bien bloqué. Je pense que même une couche de finition va suffire sur ça, quoi. Parce que je les veux, là c'est une peinture mate. Hein. Moi je les veux quand même légèrement satiné. Ça fait nickel. Astuce de Stéphane le peintre. Pour vous servir.